Petite surprise ici dans l'Est chez Nelly et Michel Continuon, car on a réussi à quasiment attraper un cheval sauvage. Il a 24 ans, pas facile à attraper. Vous le connaissez par cœur, il s'agit de Ténimon, Nelly et Michel. Oui. On va se rapprocher. Parce que, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui le vieux Ténimon? Rappelle-nous qui c'est un petit peu quand même. Bah, Ténimon, il a gagné de 3 ans à 15 ans, il a gagné 26 courses. 15 ans? Oui. Sa dernière victoire, c'était... Sa dernière victoire, 15 ans à Vittel, en cross à Vittel. Chez toi, quoi? Chez nous? Chez nous. Chez nous. Bah, son hippodrome de prédilection, c'était Vittel, il a 12 victoires à Vittel. Et c'est un cheval d'été, essentiellement. Il a couru une fois à Enghien, il est quand même 4e du grand site d'Enghien. C'est la seule fois qu'il a couru en région parisienne. Sinon, il a tout gagné en province. Il a 400 000 euros de gains, tout en province. 26 victoires. Et après 15 ans, qu'est-ce que vous aviez décidé d'en faire? Eh bien, donc, une retraite bien méritée. Et il a été maître d'école pour les poulains, puisqu'il a des yearlings au pré avec lui. Et puis maintenant, il a encore une deuxième carrière et qui est remplie très bien. Il est souffleur. Il est souffleur? Il est souffleur alors qu'il est hongre. À 25, 24 ans? À 24 ans, c'est, papy, c'est lui qui me détecte toutes les juments en chaleur. Ah. Et il fait fort bien son travail. C'est une retraite qui fait rêver. Tout à fait. Non, il est retraite bien méritée. Et puis il est sans souci, sans problème. Il n'a jamais eu de problème de jambes. Un petit peu dans les boulets, un petit boulet un petit peu rond, mais autrement de toute sa carrière, jamais eu de problème de jambes. Couru de 3 ans à 15 ans. Et gagné. Et gagné. Et gagné régulièrement. Il a gagné en haie, en steep et en cross.